Salut tout le monde, on se retrouve cette semaine donc pour la seconde display avec cette fois-ci la deuxième partie. Donc, j'espère qu'on sera autant gâtés que la semaine dernière avec la première partie de celle-ci. Et à la fin donc, de cette vidéo, je ferai le récap donc, de la première display, de celle-ci au total, et enfin de la troisième que j'ai ouverte hors caméra et qu'il y a eu un très bon tirage. Voilà. Donc on verra bien si on va être gâté aussi dans celle-ci. On va s'ouvrir ça tout de suite. Donc toujours 4 boosters différents. Voilà. Passe rouge, Togepi, Neuneuf, Mini Draco, Dynavolt, Electrode, Double Énergie Dragon, Draco, oh c'est joli, Drabi en Commune Reverse, c'est dommage qu'on voit pas trop l'effet, on voit juste là en fait, quand je tourne, oh on l'avait pas vu celle-là, Charmillon en Holo. Elle est magnifique. Et j'aime beaucoup Charmillon aussi. Donc je pense que mes préférés, ce serait la génération numéro 3. Je sais pas, j'aime beaucoup cette génération. Et c'est vrai que dans les filles, dans le dessin animé, ma préférée, c'était Flora. Donc en plus, elle avait tous les Pokémon que j'aimais. À part Guanfrex, mais sinon... Voilà, donc elle avait dans son équipe tout ce que j'aimais bien. Polichombo, Miaus, Blindalice, Brutalibré, Mini Draco, Dracos, Ninjask, un rappel, Dynavolt en Commune Reverse et Togeki sont rares. Pikachu, Drabi, Goélise, Tilton, Polichombre, Colombo, Scorval, Lien Spirituel Galam, Tilton en Commune Reverse et Satou en rare. Opermine, Psyafabec, un seul ourdeau, Voltorb, Scorplan, un échange, Draco, lien spirituel Galam, Papinox en peu comme une reverse et Troussela en rare. Opermine, Brutalibré, Blindalice, Miaus, Natu, Elesprint, Courrier du Dresseur, Lien Spirituel Rayquaza, Sepiatop, donc en peu que en commune reverse, ouais, on voit pas trop. On voit surtout le bord en fait. Là il est là, mais le milieu. Ouais. Et
Ça doit être Galam, je pense. Quoique. Ah, si. Galam X, qu'on n'avait pas encore vu. Elle est vraiment très très belle. J'adore la couleur. Le violet, ça lui va très très bien en fait. Donc, elle est sublime. Puis une attaque là. Je sais pas ce qu'il fait, mais la carte est vraiment sublime. Mon premier ultra de cette partie, d'ailleurs. Drabi, Poichijon, Tilton, Chenipote, Nangal, Armélis, Nipperbole, Béquipan, un Solourdeau en Commune Reverse et oh, elle est belle. Dratak en holo. J'adore Dratak aussi. Bon, c'est 3G aussi en plus. Donc ça tombe bien. Elle est vraiment belle. Deuxième holo. Natu, Nangal, Scorplane, Voltorb, Sepiatop, Lien spirituel, Latios, Noix de coco, Déflaisan, Elisprint un peu comme une reverse et Elidel en rare. Togepi, Neuneuf, Mini Draco, Dynavolt, Nirondelle, Scorvol, Colombo, Timmy, Piaf avec, oh mince, je vais trop vite, Fulguris, X, Full Art, alors je l'aime pas non plus, faut l'avouer, j'aime pas les génies, mais le fond est super, avec son attaque claire là où je sais pas ce qu'il fait. Charge haute tension peut-être. Je voulais voir un des Fulguris. Il y a l'en en ex aussi en normal. Et voilà, je tombe sur la foulard du coup. Qui est superbe. Bon bah ça nous aura fait déjà deux foulards au final pour cette display. Allez, une petite secrète, ce serait sympa. On verra. Je pense qu'il est possible d'avoir encore quelque chose après. À voir. Passe rouge, Neuneuf, Nirondelle, Dynavolt, Drabi, Rapace de pique, une zone aérienne, méga turbo, hyperbole un peu comme une reverse et Altaria en rare. Natu, Polichombre, Midraco, Blindalice, Rutalibri, Lien spirituel Rayquaza, Colombo, Scorvol, Niaouz,
Et j'ai vu quelque chose derrière, ce que je souhaitais. Une petite secrète. Cherche VS en secrète. Elle est belle. Mais c'est vrai que l'autre là, je crois que c'est l'échange d'énergie ou quelque chose comme ça. Je la trouvais très très jolie en photo. Et donc j'aurais peut-être préféré l'autre. Mais elle est sublime. Bon, au moins. En plus c'est bien parce qu'il n'y en a que deux à avoir. Donc comme ça, on est plus tranquille. Et pourquoi 108? Ah non, oui, 110 sur 108. Donc elle a 109. Donc celle-ci, c'est la dernière. Bon, je pense qu'on n'aura rien d'autre. Hein. Quoique, ça ne veut rien dire. Bon, au moins, j'ai eu une secrète. C'est ce que je voulais, parce que j'en ai pas eu. Ouais, qu'est-ce que je peux espérer un dresseur. Peut-être pas trois foulards, mais c'est possible. Hein. Tout est possible maintenant. Alors, on a Mini Draco, Sepia Top, Natu, encore Natu, Togepi, Dracos, Échange, Ninjask. Oh, joli. Togetic en un peu comme une reverse. Et Stracie en rare. Et c'est fait un peu bouffer la carte. Juste là. Tant que c'est pas sur une ultra, ça ne me dérange pas. Drabi, Opermine, Scorplan, Meowth, Piafabec, Elexprint, Courrier du Dresseur. C'est quoi ce Beans là? On n'est pas censé avoir la même carte hein, quand même. Bon bah, x2, Armure en rare reverse et Moonja. Oh, alors, ils ont fait un bug dans ce booster. Mon dieu. Scorplan, Polichombre, Meowth, Blindalis, Brutalibré, Pierre, Noix de Coco, je crois que Pierre aussi il est en foulard, attends, je crois. Noix de Coco, donc, foulard apaisant, Chenipote en commune reverse et Articoda en rare. Bon, il reste, ouais, 5. Chijon, un seul ordo, Voltorb, Pikachu, Chenipot, Lien spirituel Latios, Noix de Coco, Déflaisant, on a Polichon en commune reverse et. Et bah dis donc, 62, qu'est-ce que ça peut être? Ah, Triotide peut-être? Triotide X. Et bien dis donc, on est gâté. Elle est superbe. Je suis pas fan non plus de lui, hein, c'est dommage, mais bon. Donc ça nous fait cette ultra comme la première display. Bah dis donc. Alors j'avais vu des ratios sur card decks et tout. Quelqu'un a eu 3 fois 8 ultras. Moi, vous allez voir.
Au final, déjà pour l'instant, ça en fait 2 x 7. Et non, franchement, les ratios là sont super bons. Et j'aimerais bien avoir des ratios comme ça tout le temps. Ningal, Opermine, Piafabec, un seul ordo, Voltorb, Togetic, Hyperball, Tropius, Pikachu en Common Reverse et oh, Trakolos en holo. Ben, on l'a eu, je crois, en Reverse, ouais, tout à l'heure. Ouais, si je me trompe pas. Sublime. De toute façon, je vais la garder en holo et puis la reverse, allez, change. Je pensais pas qu'on aurait eu autant d'holo. Parce que vu le tirage ultra, c'est pour ça au début ça m'a étonné. Je me suis dit, vu le nombre d'holo, je peux pas avoir autant d'ultra que ça, mais au final. Bah, bonne surprise, hein. Neuneuf, Nirondelle, Dynavolt, Drabi, Ningal, Togetic, Rapace de Pique, Brésillon. Donc là, on a Brennet en rare reverse et Papinox en rare. Bon, avant-dernier booster. Nirondelle, Drabi, Wachijon, Tilton, Chenipot, Lien Spirituel Latios, Armelis, Timmy. Oh, celle-là, on ne l'avait pas vue. C'est une holo, si je dis pas de bêtises, vu que Reshiram est aussi une holo. Donc, Zekrom en holo reverse. Il est sympa. Bon, je préfère Reshiram entre les deux. Mais la carte est très bien dessinée. Et Brennet en or. Mon dernier booster. Une petite holo pour la route, ce serait bien. Donc là, je peux plus trop rien demander. Hein. Sépia top. Natu. Encore Natu. Togepi. Passe rouge. Altaria, Papinox, une loupe, Blindalice en commune reverse et Flambusard en rare. Bon, alors franchement, magnifique display. Je dirais encore meilleur que la première, parce qu'il y a la secrète et j'en voulais une. Pareil pour le nombre de lots, du coup, je vais essayer d'arranger ça. Donc, récap de 7 displays en entière pour le moment. Donc, combien on a eu de l'eau pour cette partie? Donc, pour cette partie, on a eu 2 de l'eau si je dis pas de bêtises. Ensuite, essayer de reclasser un petit peu. Hop. Donc, on aura eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'eau hein, quand même. J'aurais pas pensé. Donc on a eu donc pour la deuxième display, donc celle-ci, Dracolos en holo, Dratak, Charmillon, Elidel, Absol et Jirachi. Donc très bon nombre de lots par rapport au nombre du trac qu'on a eu. Et on a eu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ultra.
Donc, très très bon ratio. Donc, on a eu un galame X, trioxydre X, mégaraïquoisa X en normal, mégagalame X en full art, mégalatios X en normal, fulguris X en full art, donc deux full art, et le meilleur, une petite secrète, le charge VS. Magnifique. Donc, très très bon display. C'est ultra. Maintenant, récap de la première display que j'avais ouvert la dernière fois, en premier coup. Donc là, on avait eu 4 holos. Donc, voilà. Donc, on avait eu Deoxys, un holo. Shirashi, aussi un holo. Togekiss et Reshiram. Voilà. Et 7 Ultra également. Donc, magnifique ratio. Que demander de plus? À part 8, mais ce sera pour la prochaine extension. On a eu un Mega Galam X en normal. Rayquaza X normal. Un autre Rayquaza X en normal. Mega Rayquaza X en normal aussi. Shaymin X. Mega Rayquaza X en full art. Et Timmy en full art. Ou alors, je me suis trompée de display. Mais c'est pas grave. En gros. Si, c'est peut-être celle-là. Ouais, je sais plus. Au final, je m'embrouille. Non, bah en fait, celle-ci, je crois que c'est la... celle que j'ai ouverte. Ouais, c'est celle que j'ai ouverte hors caméra, en fait. Bon. Du coup, bah, j'avais eu cette ultra aussi. Et... toujours Jirachi qui est là. Ouais, c'est ça. En fait, celle-ci, c'est la hors caméra. Donc, il y en a 7. Donc, au final, j'en ai eu 7 dans chaque display. Donc, du coup, quoique... oui, c'est ça. Donc, au final, celle-ci, c'est la hors caméra. Celle-ci, c'est celle qu'on vient d'ouvrir. Oui, c'est ça. Ça, je m'embrouille maintenant. Et donc, la première display, du coup, que j'avais ouvert en caméra, donc 4 ultras. C'est pour ça, ça m'a embrouillé, je crois, les ultras. Les holos. Donc, on avait eu Deoxys, Absol, Jirachi et Eletel. Donc, au final, pas mal de doubles au niveau des holos. Et donc, on avait en ultra, donc, 7 Latios X, Mega Latios X, Triotidre X, Megarayquaza X, Shaymin X, Galam X, Full Art en normal, et Megarayquaza X en Full Art aussi. Donc au final, c'est vrai que ça fait quelques doubles. C'est peut-être pour ça que je me suis un peu embrouillée. Donc au final, très très bon ratio, très très bon display, et je pensais pas avoir le même nombre d'ultra dans chaque. Voilà, voilà. Donc, je pense que la semaine prochaine, je vous ouvrirai donc les tripacks. Cette fois-ci, j'en ai pris 3. Donc, voilà. Donc, avec ces magnifiques cartes-là, rangées. Donc, bah, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Salut tout le monde!